Mesdames, Messieurs, bonjour. Des conditions toujours anticycloniques pour demain, même si une chute des températures est annoncée le matin, ainsi que quelques gelées par endroit. Regardez notre animation satellite. Vous pouvez voir cet anticyclone toujours bien présent sur le pays. Le soleil brillera sur tout le territoire. Pour votre vendredi matin, c'est ce que je vous annonçais à l'instant, un soleil bien présent, un soleil bien généreux, malgré quelques petits passages nuageux sur l'Alsace-Lorraine ou encore sur le Hauts-de-France et sur le Massif central, mais un temps bien agréable. Côté température, par contre, elles sont très fraîches. Nous aurons à peine 1 degré sur Clermont-Ferrand. Attention aux gelées matinales. Nous aurons 4 degrés sur la capitale ou encore sur Lille. Nous aurons 6 degrés sur Brest. La maximale, par contre, sera de 13 degrés sur Nice. Pour votre vendredi après-midi, même type de temps, un soleil toujours bien présent, un temps bien clément, toujours ces petits passages nuageux sur l'Alsace-Lorraine, les Hauts-de-France, mais également sur la Normandie et sur l'extrême sud-est. Pour les températures, elles sont douces. Nous aurons 21 degrés, qui sera la maximale pour Aurillac. Nous aurons 18 pour la capitale. Nous aurons 14 pour Lille ou encore pour Strasbourg. Et nous aurons 16 pour Lyon. Pour la tendance, un week-end estival des températures qui dépasseront les 20 degrés. Lundi, une couverture nuageuse arrive par le nord et par la Bretagne. Mardi, les températures sont revues à la baisse. La perturbation gagne du terrain. Quelques précipitations annoncées sur l'Alsace-Lorraine. Mercredi, les températures remontent pour se stabiliser pour la fin de semaine prochaine. Mesdames, Messieurs, demain, nous souhaiterons les Baptistes. Le soleil se lèvera à 7h16 pour se coucher à 20h30. Je vous souhaite de passer une agréable journée. À bientôt.